notre pays, vous savez, dans son histoire, a connu un chemin assez chahuté par rapport à la démocratie, et qu'on voit bien que là, entre celles et ceux qui montrent en permanence la justice du doigt, celles et ceux qui veulent affaisser l'Union européenne, celles et ceux qui sont très ambigus vis-à-vis de Poutine ou du génocide ouïghour, ont un problème avec la démocratie, et que dans le prochain quinquennat, on doit avoir un président ou une présidente, en tout cas un président, qui remet de la démocratie dans notre pays et qui ne la confisque pas.